Cousu a tes nerfs apparemment, mais je sais pas à quel point. Genre la quête est plus dure à réaliser, mais... À quel point, je ne sais pas. Djendès avec démon, peut-être? Vas-y, je suis chaud pour Djendès. Enfin, chaud. C'est un grand mot, mais bon. Je trouve ça un grand mot, hein. Je refais ta compo car j'ai une chance de fou de retomber sur la même personne et la même quête. Let's go. Le beau jeu. Ça va, je pense que c'est bien avec Jeanne d'Esch, en vrai. C'est pas mal. J'ai gardé, j'ai pas le swap, hein. Mais je sois prêt quand je serai à Tavern 2 pour le rejouer. Le average placement du tracker, il vaut vraiment rien. Pour les bons joueurs, non. Pour les joueurs plus casus, peut-être. Mais ouais, la stat est un peu bullshit. Un peu de la merde. Mon liège qui a du délai à son stream pour plus tard que Slider, c'est éviter le stream hack malin. Lol. Liège, Batarang, boif, moi le cul. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Peu swap en vrai. Ah dommage, j'aurais bien voulu que ça chope ça. Mais bon. Ah. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Je peux regarder hors main, mais pas deux, je pense. Encore, ça m'embête en vrai. Prochain tour, si je bouffe deux, que je dois racheter l'autre. Il y a un monde où je manque à 8 pour manger, je pense. J'ai bien fait. Loul. Hors volée. Bête. Démon bof, LM bof, Murloc, Pirate bof. Le cri de guerre s'éclenche une fois supplémentaire. Percussionniste grandiose. Mais c'est quoi cette carte, percussionniste grandiose? Quelqu'un connaît la carte? Qui connaît le percussionniste grandiose?
Je sais pas quelle carte c'est. Des sacs, démons qui tapent? Ah, qui. Ok. Pas les points de vie. Vas-y, bouge. Ah! Bon, au moins on va avoir ce soir à l'agonie. Je sais pas si je swap, je pense pas. Là, je vais juste acheter un truc que je vais garder en main, évidemment. Ok. Merci, Miviel. 4. Bah normalement on le valide au tour d'après. Avec un peu de talent. Il y a un monde où je prends moins 10, hein. Il faudrait que j'aille là la carte qui tanque les dégâts. Ouais, il y a un monde où je me fais laver. Mais en vrai, ça va, je vais être fort là. J'ai quand même un bon setup, je pense. Peut-être que je peux perdre ici, mais le prochain combat, je les perdrai pas, je pense. En tout cas, je serais pas facile à battre normalement. En théorie. Là je peux perdre, mais ça je le sais. Le truc c'est que je suis pas censé garder de cartes en main, mais en même temps j'ai envie de hop. Dommage. Lui ça va faire qu'il arrête pas de m'emote dès qu'il gagne contre moi. Sacré gueule. Trop chelou le mec qui joue à Rana, 4 lives de suite, que tu le tags, il emote à chaque fois, tu le connais? Non, je connais pas du tout, non. Bah à chaque fois il fait ça, ouais. Le problème c'est que je vois rien en main, mais tant pis, je pense. Après, swap sur ce shop, c'est pas déconnant, hein. Pas sûr d'avoir beaucoup mieux si je... Après le truc c'est que la 3-2, j'aurais bien voulu la garder à swap pour plus tard éventuellement. Mais bon, j'aurais peut-être mieux à swap quand même. Ouais. Il se dit l'a repéré aussi ce gars? Ok. Chelou. Y a un monde où je joue pas. Vas-y. Mieux. Incroyable. Est-ce que je up là? En vrai j'ai ça.
J'ai ça, j'attends un tour, et après je joue T25 avec ça, et je peux le swap, et je peux essayer de choper plusieurs fois des dingueries en vrai. J'attends un tour et au prochain tour on fait des bêtises. Juste notre tour. Ça vous plaît le chat? Moi ça me plaît. Après je pourrais quand même le jouer maintenant et le swap, hein. Je peux juste le jouer maintenant, le swap et garder les cartes de côté tranquillou. Le racheter. J'aime bien le scolaire. Oh. Oh, il me faut un petit scolaire. Après, le cri de guerre x2, peut-être pas dégueu, ouais. J'aurais peut-être cherché un 6, Osef. Il y a Oliver. Il y a bête en plus dans le lobby, pourquoi tu mets ça? Rilak? Ah ouais mais... Je pense qu'en vrai, full démon, là, j'ai le stop pour, hein. Pourquoi le 9 gold, il est chelou, là? Pourquoi il est chelou comme ça, le 9 gold? Pog. Pas qu'on joue démon, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je sais pas si je freeze le Bran avec ça. Hein. Parce que je suis un peu lock là quand même. Là j'aimerais quand même bien choper le Ticonderius quoi. Après si j'ai la deuxième Urzul, why not hein, mais on va voir. Le deuxième lutin était pas mieux que le T5. Le deuxième lutin, tu parles de lui? Non, parce que je veux le tripler lui de toute façon. Deuxième lutin, c'est lui le lutin? Je sais pas. Ah, je sais même pas si... Ouais.
pense que lui va dégager. Hein. C'est une sacrée armée que vous formez là. C'est que cette game. Hop. Mais lui, il sert à rien, j'ai pas le Ticondrius là. Merci à Benoît. Colère, c'était pour Ticondrius. Je pense que j'ai Broadbran, hein, no joke. Il est bête, c'est pas Bran ça. Il est bête, il est bête. On mange le bouffe là, ça qui est chiant. Vas-y, on va voir. C'est le destin. Oh, il y a quand même de fortes chances que je le bouffe. Hein. J'ai pas au mytho. Ah merde, il fallait que je roll avant, je suis con. De fortes chances. Ouais. Ouais, plus que prévu même, ouais. My bad. My bad, my bad. Ticondrius. Comment on joue avec? Bah en vrai on swappera juste l'autre pour balancer tout et puis on le remettra à chaque fois, hein, je pense c'est le plan. Bon, bouffe un peu moi mais c'est pas grave, ça me va. Placement est pas ouf, j'aurais dû mettre l'autre anti-cleave. Juste on swappera la 39-35 et c'est bon, hein, je vois la place. Faudrait que je joue avec plus de taunt par contre. Enfin, au moins un tonne de plus. Ouais. Ok. Je ne remplace pas le terrain neutre. Non, parce que Ticondrius, il va donner beaucoup de stats quand même. Chaque fois que je joue à démon. Et vu que je vais jouer beaucoup de démons. Avec Ticondrius, ça va être cool pour les stats. Le problème, c'est qu'il y a Murloc dans la game. Et du coup, faire ce qu'on fait quand il y a Murloc, c'est pas fou en vrai. Mais bon. Oh. Le problème, c'est qu'il faut pas que je le pose. Parce que si. Il faut que j'attende le triplé dans l'idée. En gros, ça va être ma dernière carte que je joue quoi dans le tour. Hein. Pas que ça pose de problème. Jouer ça et roll, je pense.
Intéressant. Les rôles de Malkézar seraient mieux que le Tiscolaire. Non. Non, parce que je joue quand même beaucoup de démons avec l'autre. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il met droit au terre, donne pas assez au stats. Je peux le virer. Il donne pas beaucoup, mais j'espérais l'avoir adoré. Et j'espère aussi choper des élémentaires rognés pour que ça soit encore plus value. Mais c'est quand même pas mal là ce qu'il donne par tour. Juste, ça pourrait être plus big s'il était doré et que j'avais plus de grands grenets. J'adore ton freeze. En vrai, je mange pas tout là, les gars. Hein. Je mange 5. Je mange 5. C'est pas une taverne vide, il bouffe plus lui-même le grand groupe terre. Donc potentiellement je frise ça. On a raté. Bon, je peux acheter le démon si je veux. Bien joué, très bon hit. Mais ça change rien. Ouais, ce que je disais c'est que Mioque c'est trop chiant pour moi derrière. Ah, on full proc en plus le Vaillefendre. On a full proc le Vaillefendre, on a pu limiter. Et en plus il ramène... Ah ah, il a... Le voir ramener un Mioque Toxi et le Leroy. Ah bah moi Baptiste, génial. Je trouve ça moins marrant là tout d'un coup, étonnamment. Et en plus on taque pas le mort, bah lol. C'est très chouette ça. C'est très chouette ça, dis-moi. Ah, je rigole moi là. On a un peu des chattes là. Pas se mentir. On a bien mangé là par contre. Buffet à volonté. Acheter de pirate là, c'était mieux. My bad. No way, qui m'attrape lui. No way. Je peux tripler là ou. Oh, pas de triple. Zap pour l'autre, bah il faut déjà que je batte lui aussi en même temps, donc bon. Puis bon, tripler lui, c'est pas forcément la meilleure idée en tout cas contre lui. Puis ça servira pas à grand chose en soi, hein, moi. Hein. Freeze. J'arrive pas à tripler ça et ça depuis tout à l'heure. J'aimerais, mais ça ne veut pas. Ah, il joue aussi mieux qu'Avoc, c'est chiant ça. Ah, mais il va évoquer une bête, ça va. Sacré board. Impressionnant! T'as mis le Taverne 2 le dernier tour. Le triple? Ah ouais? Je me souviens pas. En même temps, je l'aurais vu, je l'aurais pick quoi. On va tag le mort, nous. Et les deux vont se fight. Ok. Ok, ok, ok.
J'ai le petit condition, c'est que je peux tripler. J'ai 3 démons insane à tripler. Enfin, en vrai, plus 2 que 3. Par contre, je peux pas le poser avant parce que si je le bouffe, ça va être plus dommage. Voilà. Voilà, on fait des efforts. Juste pour booster, il restera pas, ouais. Ah. Puis tout à l'heure, ça c'est broken aussi. Vous fait odd moi, mais c'est ok. Non, j'ai accès à ce dispo, juste je l'ai pas depuis tout à l'heure, mais ouais, j'ai accès depuis tout à l'heure, c'était très bien. Ouais, on n'arrive pas à tripler le Ticondrius. Un peu dommage. Ça aiderait grandement au scaling. Bon là on arrive sur la fin. On arrive sur la fin les amis. Pog. Ouais. Prévisible, prévisible. Obvious. Ils ramènent quand ça sert plus à rien. Je pense que soit Mika Jaxus c'est le play là. Petit dynamiteur. Bon, je crois pas que ce soit le play.
J'aurais dû prendre le Leroy. Nice. J'aurais dû prendre une Amitor, ouais, j'aurais dû le tenter. J'avais plus le temps de toute façon. Je prends quand même dû le tenter, je suis d'accord. Hein. Donc là, j'ai au tour là, ce salaud. Ok. Easy, easy. Bah il est mort, hein. Il est dead. Au revoir. En vrai, c'est un lucky qu'il ait eu le UTR trouvé, mais bon, c'était possible, quoi. Mais les rebounds allaient forcément être de fou. Les rebounds, ça allait forcément être de fou. Après, je sais même pas, ça a tellement aidé là, ouais.